Les plaquettes sont-elles prêtes ou archi-prêtes? Les plaquettes sont-elles prêtes ou archi-prêtes? Françaises. Plaquettes. Plaquettes. Bretagne. Babe. Bibobu. Quiberon. Plaqui, placo, plaquette. Je suis de Quiberon, en Bretagne. Tipiak pirate. Bien évidemment. Le Québec, je ne connais pas. Oh, je suis désolée, Capone. Je peux pas jouer avec toi ce matin. Je suis déjà en retard pour le boulot. Allez, bouge ton cul. File-moi à bouffer. Allez! Allez, assieds-toi, Axel. Je peux tuer un chevreuil à 150 mètres. Tu pars? Non, et toi, souhaite-moi bonne chance. Va chier, surtout, oui. Salut! Oh my god. Grand espace, tu vas être bien ici. Fuck. Plusieurs étages, toutes les chaînes ont acheté. Fuck. Meubles rustiques, y a du goût, corbeille de fruits. Qui, toi? Oh, un bulldog anglais. Trop cute. Oh oui. Quel anglais? Je suis marocain, arrête de me toucher là. Ah, t'es beau. Si tu veux toucher quelque chose, putain, touche-moi ça. Allez, cours la purée de ta mère et merde, putain. J'ai lâché Koumoun, c'est pas vrai. 300 euros de perdu, regarde. Heureusement que je tiens mes comptes. Ah, putain, ça m'a donné la dalle. Mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Y a rien dans cette baraque de merde. Je vais faire un petit tagine. Speed tagine est fermé pendant les fêtes de Hanouka, exceptionnellement. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Putain, ils veulent que je crève ou quoi? Je suis maudit. Oh putain, je vais la bouffer. Là, je vais te dévorer. Oh, je vais te dévorer. Je vais te dévorer. Je vais te dévorer. Putain. Elle est où? J'ai plus d'odorat ou quoi? Ah, c'est toi qui l'as. Pourquoi tu me la prends? Tu vois pas que je vais crever? Hein? C'est pas qui pour? Il essaie de la dévorer au moins une fois par semaine. À chaque fois, j'essaie de la mettre à l'abri et il arrive toujours à l'attraper. Elle a déjà fait du deux de ses cousines qui étaient de passage. Alors, les filles, ça brasse. Ninja Blanc! Je sais plus quoi faire pour la protéger. Putain, c'est chaud. Les filles, c'est bientôt prêt. Ça a pas d'allure le nombre d'affaires qui fait tomber à terre ce chien-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il essaye de nous dire quelque chose. Vous bougez vos gros culs et de mettre la table, bande de feignasses. Gros cul, va. Il est 4h30 du matin. Je viens de bouffer ma dernière croquette. Fais mon 50 dehors. J'ai le museau gelé et les pattes de jersey. Ah, je sens que je vais pas m'en sortir. Si vous voyez cette vidéo, je lègue tout ce que j'ai à ma famille. Et maman, confession, les boulettes du couscous, c'est moi qui les ai bouffées. Voilà, je voulais te le dire, mais on coule pas. Paris bloqué par la neige, 15 flocons sont tombés ce matin, immobilisant toute l'île de France. Oh putain, je me gère les baloches là, j'aime pas la pluie là, en plus j'ai pas mes westerns. Salut beau gosse, ça va croquette pour la léchouille? Oh non, pas elle. Regardez qui va là. Dans tout le quartier, il fallait que je tombe sur cette gueule. Ah bah alors, Capone. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'es devenu un petit chien sans mémère maintenant. Mais ta gueule, j'ai pas de cabouffer de la crotte. Bah alors, faut se détendre, mon grand. Tu sais que je suis toujours à 20 croquettes, là, les choux et 40 croquettes pour la bagatelle. Et tais-toi, la Camille, derrière ta peau, là, on dirait une glace à la fraise et à la merde. C'est pas de la merde, c'est une maladie de peau. Mais bon, moi, je me fais pas traîner en laisse. Allez, bouge ton gros cul, tu fais fuir les clients. Putain, elle a raison, je suis devenu un chien d'appartement. Plus personne me respecte, je me fais bouffer comme une soupe de fèves. Fais peut-être extrater, on s'en va. Et je fais où je veux. J'en ai marre qu'on me dise où faire, là, putain. Je suis pas un chien à mes mères, je vais leur montrer Capone is back. Allez, le babac. Alors, l'Albanais, il est où mon fric? Je le veux maintenant. Je bosse plus pour toi, Capone. Je bosse pour les Pékinois. Comment ça, les Pékinois? Quoi? Déjà qu'ils m'ont volé tous mes bars tabac. Putain, je vais leur montrer que le loup de Casa is back. Ah ouh! Ah chier! Qu'est-ce que ça dit là? Ah chier! Bien, répète! Ah chier! Putain, j'ai défoncé! Ah chier! Mais chez qui? Ah chier! Bah, je ta mère, oui! Ah chier! Bah... Ah chier, non, t'inquiète! Oh putain, tu m'embrouilles là, tu dis n'importe quoi! Moi, je me casse! Regarde bien mes baloches! Regarde, regarde ce qu'ils ont fait du restaurant de couscous de tata! Putain! Fils de pute! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et là, vous êtes content là de ce que vous avez fait? Regardez-moi cette merde là! Ferme ta gueule, hein! Chut. J'ai dit de dépasser! Oh putain, je suis bloqué. Tu fermes bien ta gueule maintenant. C'est nous tous ici maintenant. C'est nous les patins. Je trifouille mon esprit. Je contrôle ton esprit. Marabout, sorcier. Sors de ma tête. Vous êtes français, hein? Vous êtes français.
Ouais, je te laisse avec ma femme, hein. Elle est pire que moi. Ah, la purée. À se retrouver, toi. Tu lis peut-être dans mes pensées, mais tu lis pas dans mon cul. Essaye de faire un aime avec ça. Oh, go, dégueulasse. Dégueulasse. Du peu, capote. Du peu. Oh, on dirait un mystère. Un mystère glacé. Tout chaud. Et putain, j'ai encore loupé mon birdie. J'aurais dû partir sur affaire numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais c'est pas vrai, elle est en slip. Mais casse-toi, sale exibo. Oh putain, ça sent le soleil. Ça sent le tagine de papa. Oh, elle m'excite, celle-là. Je vais me la faire. J'espère que t'as les reins solides, hein. Ah, je suis désolé, je suis venu trop vite. Ouf. Mais par contre, qu'est-ce que c'était bon. Tu sais, je suis désolé d'avoir essayé de te bouffer et tout ça. Oh, papoune, papoune. Oh, tu m'as fait venir 3 fois, ça m'était pas arrivé depuis 10 ans. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Capone? Lâche-la. Putain, c'est qui, là? Putain, je suis à poil, mais ça va pas, sale mateuse, hein. Tu vois pas que c'est privé? Bah, tu la manges pas? Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait l'amour. Ça sent le sexe. Ben oui, ça sent le sexe. Ouais. Toi, tu sens quoi? Du cul? Et dans mon lit. Ben oui, j'avais pas l'amener dans la niche. C'est pas possible, ça a aucun savoir-vivre. Hein. Oh, radis. Vous avez croqué la pomme. Ah, vous êtes obligé de vous marier maintenant. Hein? Là, le chat, là. Ça va pas, non? Bon, ça dérange personne qu'on marie un chien avec un pilon. Bon, d'accord, je ferme ma gueule. Bon, alors, Poupoune, veux-tu prendre ici présent Capone pour époux? Poupoune. Et toi, Capone, veux-tu prendre ici présente Poupoune pour épouse? Oui, je le veux. Bon, ben, ça va être rapide, hein. Eh bien, si quelqu'un est opposé à ce mariage, qu'il se manifeste ou qu'il se taise à jamais. D'accord. Bon, eh bien, je vous déclare unis par les liens sacrés du... Attendez! Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Gucci? Alors, le Capone, on n'invite pas sa famille? Arrête, Luigi, j'ai rangé les gants. On range pas les gants quand on est un bout de boule. Allez, Fofo, donne-lui son cadeau de mariage. Oh non, les gars, faites pas les gants! Okay, je savais que c'était du cul. Oui, allô? C'est Capone, faut que j'aille le chercher.